Yo les gars, c'est Speed. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les anciens de l'OM. Et oui, ça me tenait à cœur de faire cette petite série sur les anciens de l'OM. Alors, au début, nous commençons avec le seul et l'unique, Steve Mandanda. Steve Mandanda, il a fait 9 ans à l'OM et on le remercie parce que il nous a sauvé des matchs. Moi, je vous dis, sans lui, on aurait pu descendre en Ligue 2. Eh oui, les vrais savent. Steve Mandanda, je t'aime. J'espère que tu vas revenir. On va passer au défenseur droit qui est Brice Djadjedje, qui a fait 3 ans à l'OM. Oh, Brice, il est parti. Hein. Pour l'instant, il joue pas avec Watford parce qu'ils ont pas signé. Ils l'ont pas inscrit sur les matchs en fait. Miskin. Allez, bref, on est parti au défenseur qui est Nicolas Nkoulou, qui a fait 5 ans à l'OM. Il est parti à Lyon. Écoute, c'est ton choix, mon gars. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Deuxième défenseur, vous savez, c'est qui? C'est Tai Taiwo. Tai Taiwo, c'est qui? Eh ben oui, Tai Taiwo, vous le connaissez pas? Regardez des vidéos, il est trop chaud. Il est trop chaud, il a fait 6 ans à l'OM. Et franchement, c'est un monstre. Les stats, elles parlent d'elles-mêmes. C'est un monstre. Passons au défenseur gauche qui est César Azpilicueta. Il a fait 2 ans à l'OM. Franchement, il m'a marqué. Avec ses débordements sur le côté, ses beaux centres. Maintenant, il joue à Chelsea. C'est bien pour toi, mon gars. On va passer au premier MC qui est Gianelli Imbula. Gianelli Imbula. Lui, il a fait 2 ans à l'OM. Franchement, après 2 ans, c'est pas énorme. Mais il avait un beau potentiel. Il est parti à Porto. Il a rien fait. Il essaye de se relancer à Stoke City. On verra bien ce qu'il donne. On est parti sur le deuxième MC qui est Mario Lemina. Mario Lemina qui a joué 3 ans à Marseille. Lui, je l'aime bien lui. Mais franchement, j'aime bien sa tête déjà. J'espère qu'à la Juve, il va réussir. En ce moment, ils sont en train de l'utiliser. J'ai vu en LDC, etc. Ça marche bien pour lui. Donc, je suis content. Donc, le MOC. Vous savez tout ce qu'il sait, c'est Mathieu Valbuena. L'OM, c'était sa famille, c'était le club de sa vie pour moi. Il aurait jamais dû le quitter, il a passé 8 ans à l'OM. T'aurais dû rester frérot, t'aurais pas dû partir je sais pas où en Russie pour ton club, il soit suspendu, il, je sais pas, ils ont fait quoi des magouilles. Et après tu pars à Lyon, c'est dommage mon frérot, t'aurais pu faire mieux. Après là, en ce moment t'es en train de te relancer, 3 matchs, 3 buts, c'est bien pour toi. Après c'est des choix de carrière, moi je critique pas. Après, en AD, je nomme André Ayou, qui a passé 8 ans à Marseille. Et oui, 8 ans. 8 ans à Marseille, le petit André Ayou. Quand il est parti, il nous a fait mal. Il est parti à West Ham rejoindre le poteau Dimitri Payet. Allez, on va passer à l'AG, qui est Georges-Kevin Nkoudou. Nkoudou, il a fait que 1 an à Marseille. C'est dommage, il a fait la première partie de saison. Après, il s'est blessé et il est reparti. Il s'est blessé, après il est parti à Tottenham. Écoute, c'est la vie. On va passer au buteur qui est André Pierre Gignac. Gignac qui a passé 5 ans à Marseille. Il est chaud Gignac. Avec les tigrés là, c'est une vraie tigresse. J'ai rien à dire, lui. Dommage pour ton poteau en à l'euro. On va passer à Renato Tivoli. Lui, il a fait 3 ans à Marseille. Après, Michy Batshuayi. Batshuayi, il a fait 2 ans. Samir Nasri, qui a fait 4 ans à Marseille. Benjamin Mendy, il a fait 2 ans. Loïc Rémy, il a fait 2 ans aussi. Oh non, Mendy, excusez-moi, il a fait 3 ans. Excusez-moi. Charles Caboret, pour ceux qui s'en souviennent, il a fait 6 ans à l'OM. Et oui, maintenant, il est parti à Krasnodar. Après, Joey Barton. Alors lui, gros... Si tu t'en souviens pas, j'ai mis un triplé à un pote. Raze, il va s'en souvenir. Dédicace à toi, mon frérot de Toulouse. Quand tu veux, on se recapte. Lui, il a fait 1 an à Marseille, il m'a marqué. Lui c'est un boucher. Lui, il valait 11-11 un jour. Allez, Jérémy Morel, lui, il a fait 4 ans à Marseille. Manquillo, qui a fait qu'un an en prêt. Payet, qui a fait 2 ans à Marseille. Frérot, reviens, s'il te plaît. Allez, héros, fais-le revenir. Ribéry, il a fait 2 ans. Et Ben Arfinho, il a fait 3 ans. Bon, on va partir avec cette équipe-là. J'espère que ça va bien se passer. Allez, on va se retrouver pour les meilleures actions du match. Je ferai des changements pour tester tous les joueurs. J'ai fait cette équipe-là, qui me paraissait la meilleure.
On va chercher un match en ligne. Ça y est, on a trouvé notre adversaire. Mathis Moulon, oh, t'es mort. Là-bas, c'est un Français. Campeones, ma gueule. Moi, j'ai le maillot pour leur rendre hommage. Allez, joue. Ah ouais, les gars, je vous ai pas dit aussi. Après, il y a plein d'autres joueurs qui sont pas dans le jeu. Comme Alou Diarra. Il y a qu'un joueur. Je vais pas l'acheter. Alors, Morata, Nani, tout le bordel, ok. Une bonne team. Il y a Djibril Cissé, Mamadou Niang. Je les ai pas oubliés, hein. Mais je pouvais pas les acheter. Ils sont pas dans le jeu. Et du coup, j'ai pas acheté Payet, ni Ribéry, ni les autres, parce que j'avais pas. Je n'ai pas d'argent, pas de sous. Bon, allez, on est parti dans la légende. Petit logo de Campeones pour leur rendre hommage. On est parti pour les meilleures actions. On va essayer de gagner. Allez, il est parti. Il est parti, il a gagné l'imboul. Non, il a touché la gourde, gros. Tu touches la gourde, mais marque. Oh, belle récupération d'André Ayou. André Ayou, frérot. Fais pas de dinguerie avec moi comme ça. André Ayou, il a l'affût, il est chaud, ma gueule. Hop là, petite relance. Nous, on est là, hop. Pas de soucis, petit enroulé. Allez, salut. Ayou, il se retourne. Quoi? T'es sérieux, mon gars, là? La connexion était perdue. Ça veut dire que j'ai gagné. Et moi, je fais quoi? Je suis en vidéo, là. Eh ben, oui, on va devoir partir sur un deuxième match. Moi, je vous le dis. Il a pas porté les coronés comme Pablo, tu vois. Mes couilles, on est parti pour un match simple en ligne. Une team vient de cheat. Ah! Mandanda, elle est là. Valbuena, elle est partie. Frappe. Non. Oh là 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 là, ce match, les gars, je vous raconte pas. Il est riche en émotions. Même si je suis dominé. On va pas se le mentir, hein, que je résiste. Et mes joueurs, je suis content de leur état d'esprit. Ils mouillent le maillot. C'est ça qu'on veut voir à Marseille. But! Non! Oh, j'ai que trop. Oh, Valbuena était magnifique pour les mineurs. Allez, les gars, on se bat. On est bien là. Allez, Nkoudou. C'est bien, c'est ça que je veux voir. Allez, Gignac! Mais putain, les gars! Allez! Non! Valbuena! Voilà mon gars! Ouais, c'est bon, ma gueule! Valbuena, ma gueule! Bim! Gignac, j'ai fait un beau centre avec Gignac pour Ayou qui fait une bicyclette sur le poteau. Et petit vélo, il est de retour à la maison. Et petit vélo qui marque. Merci, les gars. Putain. Petit vélo du torse. Merci. Je t'aime, Mathieu. Je suis content que tu reviennes à ton meilleur niveau. Là, on est chaud. De la tête. Tiens, GG. Là, je la remets tout de suite. Frappe. Putain, merde. Franchement, j'ai une contre-attaque en plus. Oh merde, franchement, j'ai une contre-attaque. Allez. Non, mais c'est pas mérité. Et l'autre dab là. Je vais te faire bouffer ton dab, bro. Non, c'est pas du tout mérité. J'ai le seum. Je fais tout et lui il marque avec son David Villa de mes reins là. C'est le but du match, Gignac. Mais comme à l'Euro, tu l'as loupé. But du match. Les gars, marquez, frappe. Oh les gars, je deviens fou là. Hop, Dédé. Oh là là, Dédé l'avait terminé sur place. Putain, pourquoi je frappe pas vos pénaux? Allez, au péno. Allez, il va louper avec son sacco. Il va tirer à gauche. Mais mon dos à terre, gros. Nasri, s'il te plaît, loupe pas, gros. S'il te plaît, Nasri. Oh là là, je l'ai vu dehors. Il tirera à terre. Ça veut dire qu'avec son Moussa, il va tirer à gauche. Putain. Eh oui, elle est dedans. Elle est dedans, c'est bon. 2-2. Avec son son, il va tirer à gauche. Au milieu, j'y crois pas. Voilà, mange-toi ton milieu aussi. Il va tirer à gauche. Mais putain, Mandanda, tu vas l'arrêter ta balle.
Voilà, c'est pas possible ça. Allez, là je sais qu'il tire à droite. Mais non, mais évidemment, il tire à gauche. Oh là là, merci Gigi. Merci Dédé. Oh, ce match est sous tension. Je sais qu'il tire à gauche. Mais il tire à droite. J'en peux plus là. J'en peux plus les gars. J'en peux plus. Allez, on a mis tous nos tirs. Ça va arriver au goal de tirer gros. Je sais qu'il va la louper là, à droite. Oui, à gauche. Merci mon dodo. Merci mon dodo. Aspilicueta, je t'aime si tu la mets. Merci Aspilicueta. Oh les gars, oh, j'en peux plus, je suis vidé. Là dans tous les sens je suis vidé. Oh Aspi, oh cette séance. Oh mais cette séance les gars, fallait pas la suivre. Là j'en peux plus là. Les anciens de l'OM ils m'ont fait vibrer. Je sais pas si vous avez vibré dans la vidéo comme moi, mais moi je vous dis le match entier, je vais pas vous le laisser. Mais qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il était beau, le but de la victoire. Aspilicueta, oh merci, je t'aime frérot. En fait il plongeait jamais, il se décalait juste d'un cran à chaque fois. Donc si les anciens de l'OM ça vous a plu, n'hésitez pas à liker pour montrer votre soutien. Si vous voulez un autre épisode avec un autre club, dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le fasse avec un autre club. Regardez tous ces buts. Hop, voilà. Forme, on s'en fout. Arrêt combien mon dada? 5, merci. Tu m'as tout sauvé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel club je voulais, genre Lyon, Barça, Real, PSG, etc. Moi je vous dis, c'était Speed. Allez, peace!